ma belle-sœur. Tu sais pas que ça fatigue le corps. L'effort moral fatigue plus que l'effort physique. Tu vas repasser là tout à l'heure, tu dormais. Tu dors toujours. Elle dort quoi, elle? Ah ben, c'est pas long. Je ne sais pas si tu as encore les restes de tes serviettes là-bas. Parce que je me suis salée. C'est pour ça que je me suis changée. Je sais depuis pratiquement 2 mois du jour. Moi, je me retrouve à te dessiner 3 fois par mois. La salle me dépasse. Tu veux me débattre les serviettes comme si tu ne connaissais rien de cette maison. Toi aussi. Est-ce qu'il va reprendre comme ça sans te demander? Les serviettes là-bas dans ma douche. Comment tu peux dire que ça fait 2 mois? Tu dis que tu tiens combien de fois par mois? Trois fois par mois, non? La semaine, si finit, l'autre semaine finit, l'autre semaine finit, l'autre semaine. Attends, tu saignes 3 semaines? Oui, en un mois. Oui, pendant 2 semaines. C'est une semaine de repos. Oui, depuis 2 mois. Et tu es parti à l'hôpital? C'est pas moi, non? Non, c'est pas encore parti. Moi, je pensais que le mois, si ça allait s'arrêter. Le premier mois d'abord, ça s'est passé comme ça. Mais moi, si je me suis dit que non, ça va s'arrêter. Ça a fait beaucoup. Ça fait combien de temps que tu as fait ton PCV ou que tu n'as pas fait? J'ai fait mon PCV presque tout le temps. Ça ne fait même pas 3 semaines que j'ai fait mon PCV. Mon PCV n'est pas rien. On n'a rien quitté là-bas. Tout est normal. C'est inquiétant. Hein? Moi, je suis dépassée. Parce que la plupart des femmes que moi j'ai connues ou que j'ai côtoyées avec ce genre de problème, c'était généralement la finalité était si ce n'est les kystes, les myomes, les fibromes, attends un peu. Ou alors il y a une des mamans là qui m'a expliqué que c'est parce qu'elle avait placé, ils appelaient comment, le truc mais au bras et en bas là, pour, toujours pour éviter la grossesse là. Ou bien tu prends les pilules. Je ne connais même pas à quoi ça m'a aidé. Même ce que tu dis là, je ne connais pas. Je n'ai jamais rien appris ça. Rien. Assez, mon petit, c'est quoi? C'est comment, non, Bic? D'abord ça. Il demande, tu racontes ça comment? Je demande. Là, bah, moi, c'est de la taf. Non, attends, tu n'es pas venu fumer ici. Là. Tu n'es pas venu fumer ici. Là. Tu dis que l'histoire de mon agent, c'est à quel niveau? Ton agent. Mon agent ou ton agent? Et tu vois, tu étais venu me tester ici. Ça fait déjà 2 semaines, j'attends qu'on nous paye. Jusqu'à présent, tu ne me racontes rien. Fais toutes tes choses là, je vais avoir mon agent. Hein. Grand frère, ce n'est pas de ma faute. Les choses se compliquent. Où tu vois là? J'ai affiné de faire tous mes calculs avec l'argent. Là. Donc moi j'ai besoin d'argent là. Depuis là, je pense même que je pense que c'est ça que tu es venu même annoncer comme ça. Je suis venu te voir directement parce que papa avait promis de me donner 3,5 millions. Tu vois un peu non? Après le gars est venu me sortir des modèles comme quoi là, sa femme ne veut plus. Sa femme ne veut plus veut pas qu'il me donne l'argent. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle je suis venu te voir pour qu'on aille agresser. Subitement sa femme appelle. Chose qu'elle n'avait jamais faite. Cette femme-là et moi ne cause pas. Et tu t'as dit c'est l'eau et le feu. Tu me racontes quoi qui ne sonne pas bien dans mes oreilles? Tu dis quoi? Attends, explique-moi un peu. Laisse-moi chuter parce que l'histoire est un peu longue. J'arrive à l'hôtel. Il me fait comprendre que non, mon fils, il voulait te voir. Mais qu'on cause. Tu sais, je n'ai jamais voulu ton mal. Je n'ai jamais voulu que tu partes de la maison. Si tu es passé de la maison, c'est à cause de ton père. C'est pas de ma faute. Il dit, bon, madame, je ne suis pas venu pour l'eau. Là, je ne suis plus chez vous. Je ne sais pas pourquoi tu m'appelles. Est-ce que mon agent est prêt? Elle me dit que justement, je suis venu pour qu'on parle d'argent, mais pas la somme que tu veux. Elle me dit combien? La bonne dame dit qu'elle me donne 500 000. Quoi? 500 000. Elle me dit, attends, attends un peu. Moi, Albert, je fais quoi avec l'argent de bébé? J'ai encore l'âge de bébé, je fais quoi avec 500 000? Maman, moi, je ne pense pas que tu dois donc rester là.
assise, comme si il n'y avait rien. Tu dois aller à l'hôpital pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il se passe. Si tu vas rester comme ça là, même si c'est une maladie qui est en train de se développer, elle va prendre de l'ampleur en toi et après peut-être il se fera tard. Non, il faut que tu partes à l'hôpital, le plus tôt sera le mieux. Je comprends. C'est inquiétant, hein? Tu dis. Parce que tes règles là. Et ça ne sort même pas pitié, ça sort comme les ouvriers. Avec les boules. Les boules. J'ai une nouvelle. C'est comme moi là. Oui. Maman, c'est inquiétant. Le saignement là n'est plus normal. Tu dis. Il faut vraiment que tu fasses un tour à l'hôpital. Peut-être aujourd'hui, mais pas demain. Oui. Ça tombe bien. Le ventre fait mal. Ça tombe bien comme tu m'as réveillée. Tu sais, j'ai discuté avec ton frère tout à l'heure pendant que toi aussi tu étais dehors avec ta fille là. Tu sais, j'ai discuté avec ton frère tout à l'heure pendant que toi aussi tu étais dehors avec ta fille là. Donc je n'ai pas voulu t'appeler parce que je voulais d'abord finir de discuter avec lui tête à tête. Il fallait d'abord qu'on en parle à deux. D'abord, à un moment, je suppose qu'il était clair de voir là-bas de votre côté. Je ne savais pas ce qu'il se passait. Il ne faudrait pas qu'un jour, j'arrive ici. Ton frère, maintenant, a dit que je ne suis plus là, il ne voit plus mes effets. Mon numéro ne passe pas et tout. Tu sais, à un moment donné, on peut supporter. Mais là, pour moi, là, ça va déjà trop loin. Tout ça a déjà trop duré aussi. Et même si je dois supporter pour une bonne cause. J'espère vraiment que tu sauras me comprendre parce que tu n'es pas comme moi. Et cette situation que je vis, si pouvait aussi t'arriver ou pourra t'arriver à l'avenir. Donc je souhaiterais aussi que tu ne sois pas, que tu ne te penches pas d'un côté. Parce que toi, souvent, tu réfléchis plus avec les sentiments. Vois-tu, ça fait déjà 20 ans que je suis ton frère, bientôt 20 ans. Donc c'est pour ça que j'ai arrondi à 20 ans. Si je compte même, avant que je ne vienne m'installer avec lui, ça fait plus de 20 ans. Alors 20 bonnes années que ton frère m'exploite. Parce que je vais appeler ça de l'exploitation. Toi, tu ne l'exploites pas. Le patron avait promis 3,5 millions. Vas-y quoi, ça me permet d'acheter le taxi, louer mon appartement et vous gérer mes petits oui. Maintenant que la GO ne veut plus me donner l'argent, 500 000, bon, c'est pas 500 000, elle veut te donner combien? Moi, j'aurais combien? C'est-à-dire que mon coup aurait foiré. Comme cela ne suffisait pas, l'ami de mon père, qui est devenu comme son frère là, m'appelle petit américain. Papa, hey, bro, même en celui-là, on ne fautait pas comme ça. Le type m'a donné une main et c'est que mon épaule s'arrachait. Le papa là m'a fouetté. Me disant que si quelque chose arrive à son frère, ce qu'il va me faire, on va pas lui dire. Et comme moi, je ne pars jamais comme ça. Ce que j'ai promis, il faut au type là. Et que ce qui est promis, il faut au papa là. Donc, quand il va prendre son anus comme ça, il regarde, il aura pitié de lui. Donc, il sera sodomisé, non? Il ne va plus jamais faire ça à l'enfant de quelqu'un. Deux jours plus tard, je pars donc voir la bonne dame pour savoir si l'argent est après. Parce que depuis là, il s'est même passé. Peut-être que je me dis que mon père a pris l'argent, ils font comme jongler. Et on bouffe des mains, on bouffe appeler des mains, on bouffe des mains, on bouffe des mains. J'arrive, la bonne dame me dit que l'argent n'est pas encore là. Je dis que je ne suis même pas venu pour ça, je veux tout mon argent. Je ne suis même pas en histoire. Parce que c'est à cause de la bassinade de petit américain que j'ai changé, gars. Il m'a tellement fouetté que j'ai dit, il a me refusé parce qu'il était sur le point d'accepter 500 000. Il dit qu'il veut tout mes. Donc il veut tous mes 3 500 000. J'arrive chez elle, elle me dit que je ne peux pas avoir ça. Tu me connais? Il dit que. Est-ce que c'est ton dernier mot? Il dit qu'il ne peut pas. Il dit qu'il veut tout mon argent, il dit que tu n'as rien. Il y avait mon sac à dos, tu n'as là. Il dit qu'il y avait dedans. Une bouteille de carburant. Mouf, tu connais, tu n'as Albert. Il a open la bouteille, commencé à arroser la maison. Il dit que c'est pas mon argent, que toi et moi, meurs ici. Il veut jouer les durs, il veut passer. Il dit que bon, tu ne peux pas encore accepter que tu me donnes 2 millions de francs CFA. Elle me dit qu'elle ne peut pas me donner 2 millions, elle peut seulement me donner 1 million. Ah bon? Et puis la bouteille, versée sur elle prend le briquet pour aller. Non, non, j'accepte. Il voulait brûler la femme la vive. Et je lui ai dit,
Elle a encore deux jours. Si elle ne m'appelle pas pour mon argent, qu'elle veut repartir avec cette mère que le faire à la maison. Parce qu'elle voulait me trouver mon père. Malheureusement, le gars n'était pas à la maison. Ça en descend les escaliers qu'il croise le vieux. Le gars Mimba qui va à mon ah bon, il faillit tchouk le type là parce que c'est même pas mon père. Un homme qui te comme ça n'est pas mon père. Il va failli tchouk le couteau avant que le type là. Et comme lui il est fort, le gars m'a massacré. Quand il va sur par sur moi pour me brûler, gars, escalader et fuir. Donc où tu me vois là, non? Aïe. Va une bonne année que ton frère m'exploite. Que je suis chez lui. Ton frère n'a même pas encore l'intention. C'est que ça ne traverse pas sa tête. Parce que pour lui, depuis qu'il était allé d'hôtel là, le mariage est fini là-bas. Tristan, pardon, mais ne dérange même pas un peu les gens. Parce que toi, tu es même couché, toi qui parles là, tu ouvres la bouche pour me battre. Toi, tu es au moins, on t'a même déjà adopté. On t'a même déjà adopté. Tes parents, on est allé voir tes parents. On t'a déjà adopté. Ta famille a mangé, ta famille a bu. Moi-même, qui te parle ici là, même le toque porté de mes parents, on n'a jamais fait. Mais toi, tu viens dire à les gens, si tu dis, on a dit qu'on ne va pas t'épouser. Chez vous les Africains, c'est toujours comme ça, particulièrement chez vous les petits. Oui. C'est toujours comme ça. Chez vous, la dot est synonyme de mariage. Parce que dès que vous avez doté, vous vous dites, c'est fini. D'autres, on ne les a même pas encore dotés. 30 ans de mariage, on ne les a même pas encore dotés. On ne connaît même pas la route qui part dans leur village. Ils ne veulent pas connaître, ça c'est leur choix. Elles se sentent bien. Moi, je ne me sens pas bien. Ils ne veulent pas connaître, ça c'est leur choix. Elles se sentent bien. Moi, je ne me sens pas bien. Et je ne me sens plus en sécurité. Tu as la route de ton village qui est là-bas tordu comme quoi là. Moi, nous sommes arrivés, on a été dotés. Il n'y a pas de problème. Là, tu viens les gens. Ton frère m'a aussi doté parce que j'ai eu à mettre la pression. Parce qu'il babadait dans ses oreilles nuit et jour. Donc, s'il doit aussi m'épouser, il faut que je bavarde. Je préfère babader. Parce que je suis fatiguée de cette histoire. La bague de fiançailles s'est avérée. Ça se délave même déjà. Je ne veux plus porter ça. Quand tu jettes, je veux porter l'alliance, l'anneau. Je veux l'acte de mariage. Parce que l'histoire qui se passe avec Albert-ci ne fait que s'empirer tous les jours. Je vais venir mourir ici, que je vais mourir pour qui? Ton mari. Quel mari? Mon concubin. Pas mon mari. Mon mari, comme tu dis, mon mari, ça veut dire qu'on a l'acte. Ton frère n'est pas encore mon mari. Ouais. Mon mari, comme tu dis, mon mari, ça veut dire qu'on a là. Ouais. Ton frère n'est pas encore mon mari. Ouais. Je supporte pourquoi? Si je viens mourir ici, je vous. C'est votre famille qui va payer. Tout son père. Non. Vous allez me pleurer parce que vous m'avez fréquenté. Vous n'allez pas me pleurer comme ma famille. Ma famille est celle-là qui va plus payer. Oui, le français. Je vais te sortir le français que j'étais allé faire là-bas en Bolivie. Ma famille est celle-là qui va plus perdre et qui va plus souffrir. Et mon enfant sera orpheline. Ton frère, après mon départ, il va beau pleurer quelque temps, mais il va se refaire une vie. Il va reprendre une autre femme. Ah ben, tu es en train de me raconter quoi dans... Donc, ah ben, tu veux me mettre... Tu veux me doubler? Tu veux me doubler sur le business là? Arrête un peu ça. Tout ce que tu racontes là, si c'est le film ou si c'est le scénario que tu écris, non? Je veux mon argent, Albert. De toute façon, non. Tout ce que tu racontes là, c'est pour toi là-bas. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour finir avec ces gens. Je ne suis pas là pour m'amuser. Alors, pardon. Je sais que tu as toujours les pistolets. Donne-moi un pistolet, s'il te plaît, bien chargé. Donc, on doit finir avec mon père. Mon soi-disant père, parce qu'il ne voit même pas ce qui fait qu'il est mon père. Cet homme ne m'a jamais aimé. Alors, à la guerre comme à la guerre. Donc, s'il ne mange pas l'argent là, personne ne va manger cet argent. Mieux nous sommes personne n'utilise l'argent là. C'est la magie. Ah ben, donc, c'est plus le faire. Je suis dans le domaine. Et c'est plus le faire. J'ai ça, mais j'ai un même à la maison. Donc, moi, alors, je pars. Mais mon frère, ce n'est pas pour faire couler le sang. Ouais, parti, pardon, je ne suis pas là pour m'amuser. Bon, je suis très sérieux, tu me vois là. Passe-moi le feu. Non, mais c'est pour effrayer les épingles là. Non, toi, je suis en train de voir. Toi, donc, tu veux tuer ton père. Je veux tuer l'homme qui. Rectificatif, je ne veux pas tuer mon père. Je veux tuer l'homme qui m'a perdu 20 ans.
Donc là, là où je suis, je n'ai même pas. Mais si tu as envie, grâce à ton père. Tes conseils là, pardon, tu les gardes pour dimanche. Je ne suis pas là, je ne veux pas. Bien, c'est ma fumée, si je veux là. Tu t'embrouilles les idées. J'ai un à la maison. Déjà d'abord, que tu viennes, tu m'expliques le scénario de quel film. Depuis que tu rêvais d'être. Quand tu étais tout petit là, tu rêvais d'être à terre. Ah, tu blagues rien, moi. Il est toujours caché mon esprit. Abel, la famille est sacrée. Je suis plus dangereux que vous. Je suis... Pardon, papa, je ne suis pas venu en termes de famille. Moi, je suis tout ce que je suis. Hein. Je vole, je casse, j'agresse, tout, tout. Mais mon âme, ce n'est pas pour couler le sang. Ouais, papa, tu me donnes le frère, tu ne me donnes pas. Je ne peux pas te donner mon frère. Il va continuer de nuire pendant que je vais pourrir. Prophétise la mort. Pendant que je vais pourrir dans la tort. Dès que tu meurs, là, c'est moi qui viens lui donner la femme. Comme tu ne peux pas parler positivement, c'est que oh, la mort. Ouais, maman, la mort. Meurs. Essayons de regarder. Oui, meurs. Maintenant, si ce n'est pas moi qui venais à mourir dans ce foyer, tu as imaginé si c'est ton frère qui venait à mourir. Il ne peut même pas mourir maintenant. Non, laisse la partie là. Si ton frère décède, qu'est-ce que je deviens? Il ne peut même pas mourir. Rien du tout. Yes. Je ne pourrais même pas parler. Oui. Je n'aurai aucun pouvoir. Tu vois comment son fils se comporte de son vivant. Imagine seulement un seul instant que ton frère soit mort. Je ne suis même pas sûre qu'on va le mettre à la mort. Albert va se pointer ici. Avec sa mère et les machettes. Parce que en Afrique, c'est le garçon qui est l'héritier. Comme moi, j'ai fait la fille. Je ne pourrais pas parler. Oh, on va venir me jeter dehors. Qui t'a fait C'est moi qui fabrique les enfants. Madame, c'est Dieu qui donne les enfants. Il y a des gens qui cherchent même les filles là. Enfant égale enfant. Je n'ai pas fait un concours pour accoucher une fille. Ogré n'a pas fait un concours pour accoucher un garçon. C'est pas moi qui donne les enfants. Alors ton frère doit m'honorer. Ton frère doit me valoriser. Pour que si jamais il lui arrive un malheur, qu'on ne vienne pas me jeter dehors comme une fille qui n'a pas travaillé. J'ai suffisamment fait mes preuves. Maman, je dois encore prouver quoi? Je ne connais pas le diplôme qu'on a après 20 ans d'école parce que j'ai eu la licence, j'ai eu le master, j'ai eu le doctorat. Je ne connais pas. J'ai même eu, on appelle le professeur. J'ai eu tout ça. Celui qui va venir après sur lequel. Je pense que les gens qui ont fait 20 ans d'études sont en train d'étudier à l'étranger pour apprendre autre chose. Quand ils vont venir chez eux avec, ils vont venir innover. Je vais venir innover dans le foyer. Mon frère, c'est pour effrayer les gens et prendre l'argent. Agresser, faire tout ce qui ne va pas. Tant que j'ai mon argent. Ce n'est pas pour couler le sang. De toute façon, non. La famille est sacrée, Albert. Avec tu ne peux sang pas ton te. Père. Je vais tuer cette fille. Ta famille est sacrée. Mais mon petit, tu m'inquiètes. Hein. Je dis que la famille est sacrée. Tu m'inquiètes. Cet homme-là n'a jamais pris sur lui. Ou alors, il n'a jamais estimé qu'il était son fils. Tu peux abandonner l'enfant plus de 20 ans. Mais tu m'as fait arriver chez ton père. Tu veux dire qu'on te maltraite là-bas. Vous êtes les petits frères, les petits enfants des bobos. C'est là que vous voulez tout seulement la quand terre. Quand tu me vois, quand tu me prends un coup de ça m'a quelqu'un qui a l'argent. Avec tout ce que mon père a là, tu me parles de quoi, dis donc. Pardon. De toute façon, je t'ai dit que je ne peux pas te donner, de toute façon, laisse même tomber l'affaire d'argent là. Parce que l'esprit déjà que tu viens là, que tu veux amener ton, tu veux faire couler le sang. L'homme qui t'a fait sortir, qui t'a fait voir le monde ici là, tu veux... Non, petit frère, où tu es même là, tu pouvais même encore te guider un truc là. Utiliser, mais il faut que tu te lèves. Moi, je crée parmi les gens. Moi-même, c'est plus que je suis dans le business. 15 ans aujourd'hui. C'est que je veux. Je n'ai pas encore fait couler le sang. Tu me perds le temps. Faut te lever, tu pars. Tu me fais un cran. Et s'il te plaît, oublie la route de mon ghetto. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas ici pour moi, je suis dehors, gars. Moi, tu demandes un petit service. Tu vas me manquer un respect. C'est magique. Il faut partir. Même avec l'argent là, il te cadeau de ça. Il n'y a pas de problème. Ça va pour toi. Attends. Moi, je voulais donc te dire. Parce que prévenir vaut mieux que guérir. Il faudrait que quand tu partes, que ça tourne un peu dans ta tête, que tu réfléchisses. J'ai parlé de cette situation à ma copine Vicky. Avant qu'elle n'arrive. Et laisse-moi te dire qu'elle obéit. Elle est venue me voir ici l'autre jour. Vicky m'a proposé de rentrer avec elle en Europe quand elle va rentrer. Mais j'ai refusé. Moi que tu blagues. Parce que j'aime ton frère et que moi je veux rester dans mon foyer.
J'ai dit à ma copine que le rôle ne m'intéresse pas. Mais je pourrais changer d'avis plus tard. Change, change-moi maintenant. Parce que c'est quand je vis chez vous. Oui. Plus tard, c'est quand. Change maintenant. Change quel pays. Change d'avis maintenant, Cristal. Tu parles en voix. Tu devais se entendre. Que change d'avis tout le temps. Change maintenant. Ok. Oui. D'accord. Je m'attendais à cette réaction de toi. C'est pour ça que j'ai dit que tu réfléchis souvent plus avec les sentiments. Je pensais que tu devais mieux me comprendre vu que tu es une femme comme moi. Non, je ne suis pas une femme. Ah, ok, je ne savais pas, maman. Oui. Je savais pas que la femme que tu as mis des cuisses là. Oui, ce n'est pas ça. C'était le bâton. Oui. Ok. Moi, je veux seulement pas attendre après, demain ou après-demain, que je suis mauvaise, je suis ceci, je suis cela. Mon nom va monter, ça va descendre. Faudrait aussi qu'en racontant le problème aux gens, que vous puissiez aussi raconter la partie où j'ai supporté et que j'ai donné 20 ans à ton frère. 20 ans de ma vie. Si on allait 20 ans sur ta vie maintenant, tu imagines un peu. Ça va donner quoi? On t'avait forcé. Toi-même, tu as accepté. Toi-même, tu viens de dire que c'est toi qui mettais la pression qu'on a été doté. On ne t'a pas doté. On t'a doté. Si ta famille me brûlait l'autre jour. Ta famille a bu. Si Albert me brûlait l'autre jour. Qui a même dit qu'on n'allait pas. On allait seulement dire que voilà l'homme avec qui elle vivait. Voilà l'homme avec qui elle vivait. C'est le fils de l'homme là. Parce qu'il venait discuter les biens. Les gens, chacun devait donner sa version. Oh, elle défendait les biens du type là. Oh, elle marquetait le fils de son mari. Oh, c'était une mauvaise femme. C'est pour ça que le fils de son mari l'avait brûlé. Chacun devait donner sa version, mais je devais être la seule à partir avec ma vraie et la bonne version. Je devais être 6 pieds sous terre pendant ce temps. Et tel que c'est même au gré que ton frère allait prendre pour épouser. Je ne vais pas chercher loin. Après celle-là, non. Pardon, tout sauf le cœur. Celle-là entre ici. C'est que je suis déjà morte. Petite voici est déjà assez levé là. Donc ton père, même s'il n'était pas l'argent à faire comment, tu veux couler le sang? Tu veux tuer ton père? Non. Putain. Le sang passe, me refuse de faire. Pas que tu oses me refuser le faire. De toute façon, non. Ah, mon ami, tu viens encore à ma liste. Moi, je vais te tuer de mes propres mains. Non. Pourquoi me saler les mains sur point salopard comme ça, alors qu'il y a 3,5 millions? Petit voici a développé. Il vient même embrouiller celui-là. Il pense qu'il m'annonce les bonnes nouvelles que voilà, l'opération est bien. Non, c'est pas sérieux. Si le petit voici a déjà des idées comme ça, c'est un danger. Il faut que je cherche à voir son père. Même la femme de son père, mais il faut que je cherche à savoir. Il faut que je me rende un peu là-bas chez eux un jour comme ça. Il faut que j'alerte le père. Petit, c'est un danger. Mais moi-même, dans 15 ans comme ça, je n'ai pas couru. Tu veux faire tuer, tu veux tuer. Mais non. Je vais aller voir le mien. Il faut qu'on sache où tu t'étais. Qu'on t'arrête et qu'on t'enterre. Pas que tu me refuses de faire. Je ne peux pas te pardonner. Ne mets plus jamais tes pieds ici dans mon terre. C'est la dernière fois. Les prochaines personnes que tu vas voir sont les niais. Ils sauront où tu t'es. Tu vas bien dire, salopard. En tout cas, je t'ai déjà dit, je t'aurais prévenu. Si ça continue comme ça là, moi je vais partir avec Vicky. Ouais, pars. Prends même tes choses maintenant que tu pars. Parce qu'en parlant même de Vicky là, la Woloros là, la bordel là, là où vit ta copine, toi-même tu connais bien. Tout le monde est bordel. Oui, à tes yeux. Oui. Tu connais bien ce que ta copine là fait en France. Là où elle te raconte ces choses, non. Tu connais ce qu'elle vit là-bas, non. Ses problèmes de couple et autres, non. Je suis sûr que tu ne connais pas. Mais toi, comme elle connaît mon banque, c'est comme ça que je connais son banque. Oui. Comme tu es un peu, tu traverses un peu les moments difficiles dans ton foyer, tout le monde entier doit être au courant que Cristal, ça ne va pas dans son foyer, ça ne va pas avec son mari. Oui, il faut bien que les gens sachent si je meurs ici. Pourquoi vous ne changez pas de version? Oui, parle-toi avec Vicky, c'est là-bas que tu ne vas pas aller mourir. Là-bas, tu ne vas pas mourir, tu seras éternel. Mais pas ce genre de mort. Tu comprends, non? Pas ce genre de mort. Je vais mourir comme une personne normale, pas assassinée. Oui, tu vois comment on ne va pas t'enterrer.
Parce que celle-là, comme elle est venue là, c'est pour te prendre aussi, aller faire la bordelerie là-bas en France. Maman, si la bordelerie est mieux, oui, ça beaucoup. Va m'apporter moins de problèmes. Je vais voir comment dans ta bordelerie, là, on va aller t'épouser là-bas, comme je te demande de t'épouser. Là, moi, je saurais que je suis cachée, elle m'a perdu mon temps. On n'a pas dit qu'on ne t'épousait pas, oh. Moi, je sais qu'on va t'épouser bientôt même. Mais la pression que toi, tu nous mets là, ne nous mets pas la pression, parce que ce n'est pas ta vie qui ni toi. Personne d'entre vous là ne va nous donner l'argent pour aller t'épouser. Tout ça, c'est toujours mon frère. Maman, j'ai à travailler l'argent. Donc, ta Vicky là même d'abord, celle-là non, elle va m'entendre passer sur son chemin. Comme c'est elle qui vient te prendre, qui vient te choquer les esprits, qui vient te mettre les idées diaboliques dans la tête qu'elle t'amène. On lui a dit que tu avais faim ici, que tu souffrais ici là, pour qu'elle vienne te chercher parce qu'elle t'aime trop non. Celle-là, il faut lui dire, même si c'est où, même si, quand tu vas la voir, le jour qu'elle vient ici là. Il faut lui dire que moi j'ai dit que j'ai quelque chose à lui dire. Et si elle va faire comme si elle veut un peu faire, comme si elle veut jouer, elle veut danser avec moi, qu'elle veut me mettre la bouche au corps là, ma madame. Toi tu ne bouges pas. Pas allons voir. Si tu vas voir comme ça, pas les choses. Tu fais comme si tu ignores, tu ignores comment ça se passe entre nous les bêtises. Ta famille a mangé, ta famille a bu, ton père a accepté le vin, notre bouteille de vin. Donc là où tu es là, non. Pas à mes voit non. Même dans l'avion, on va venir te prendre dans la sorcellerie. C'est mes soins d'âme. Elle t'a dit qu'on va t'épouser. Tu es ma belle-sœur, chérie. Ma belle-sœur! Ma belle-sœur, tu as dit que les pétés, les serviettes géniales sont dans ma coque là. Tu es là-bas dans la chambre. Ok. Tu ne bouges pas. Ne bouge pas. La surprise va te surprendre.